Dans l'épisode précédent de Stellari, une nouvelle épopée. La conclave Mandassura de la planète Gambius se reconstruit après une bataille difficile et complexe. La Hydrolisme s'est lancée dans la construction d'un méga chantier sur plusieurs années. De son côté, la Galactic Dynamics a pris le contrôle de la FDG, la Force de Défense Galactique. Cela présage un nouvel avenir difficile pour la galaxie qui devra se préparer à la crise à venir. La suite de leurs aventures dans ce nouvel épisode. Et je suis là. Oh putain. Mais non. Oh wow. J'ai crash. Non, c'est pas vrai. Oh putain. Non, c'est... Allez, c'est parti. Merci. Hey, Ether il fait chier, Razor il fait chier, j'ai le droit de faire chier un peu. J'ai pas le droit de faire chier aussi de mon côté. Allez, est-ce que je... on teste la vitesse? Ouais. Oh putain. Ça semble aller Spaceborne Life. Ouais. Plutôt bien. Ouais. Ça semble aller. Je vous laisse regarder un peu ce que vous vouliez faire avant. Oh là 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 là. Oh le mal de crâne. Oh là 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 là. C'est ça. Ouais. Au secours. C'est le moment où tu débarques et tu te souviens que tu avais laissé derrière toi 400 milliards de personnes à gérer. Oh là 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 là. Oh putain. Mais qu'est-ce que vous m'avez branlé pendant mon absence là. Ça, c'est les paroles du Daron quand il revient après 10 ans. C'est... Qu'est-ce que vous m'avez branlé pendant ce temps-là? Qu'est-ce que t'as fait de mon fils, putain? Oh putain, mais vous avez passé quoi comme loi? Oh non. Oh non. Là, c'est plus qu'une remise en bouche, là. C'est, je m'en prends plein la gueule. Là. Millions d'icônes. Ouais, moi aussi. Ouais. Des retards. J'ai une révolte sur Alivea. Oh là là. Regarde dans tes emplois. Oui, j'ai regardé dans mes emplois, mais dans quoi ils vont? C'est la classe supérieure. Oui, je sais. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut que je fais comme bâtiment pour qu'il y ait des goûts? Mais alors, il y en a deux qui sont dedans. Ils vont se déclasser, c'est pas grave. Mais j'ai 10% de stabilité sur la planète. C'est pas grave, ça. 10%, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, ils vont venir chez moi. Il y a une révolte qui se prépare quand même, là. Ça va partir en couille, là. Non, hein, ça va. Youhou. Cristalline est en bras à la désolation. Putain. 99% de stabilité. Oh là 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 là. Non mais c'est parce que le jeu met toujours un mois à actualiser c'est les vrai, gains ça mensuels. Oh. Oui. Ah, il reste deux jours avant le prochain mois. Hop. Monde urbain. Qu'est-ce que c'est encore non, mais, pire. Non mais attends, Razor, ça va être le troisième mois. Ouais, d'accord. Attends le 16e mois, c'est bon. Moins 448. De quoi? De crédit. Non mais ça va se stabiliser. Oui. D'accord. Ça va se stabiliser d'ici deux ans. C'est bon, t'inquiète. C'est parce que t'as encore fait de la merde avec le cours de la pomme. Ça, non, justement, j'ai arrêté. J'ai appris de mes erreurs. Et au moment où je dis ça, j'étais en train de cliquer sur moins 10 000 ventes. Mais comment le cours de la pomme, là? La pomme, elle s'en fout. Marchand. Non, c'est la pomme, merde. Elle... Hein. Non, c'est de la merde. De la merde. Ah, 0,61 à l'achat. Mais elle est quand même supérieure au taux des rubis. C'est vrai? Un peu de des rubis, tu veux dire des minéraux? Oh la vache! Moi, j'en achète 422 par mois. C'est qui veut gagner de l'argent en mars? Moi, je fais relever le. Fait. Moi je vais rien faire. Il manipule la galaxie. Oh tout de suite. Marre, c'est quoi ces préjugés? On a le nez crochu, on manipule la galaxie, on fait frais, on a de l'argent. Non, faut arrêter les gars. Mais si, station commerciale. Donc, à mon avis, c'est pas une loi qu'on avait passée en mode ça réduisait le nombre d'emplois, non? C'était pas... Ah ouais, tu crois? Je sais pas. Ah ouais. Et tu fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Je sais pas. C'est vrai? Tu penses peut-être que. Peut-être. Ah ouais. Fibre, je pense que. Alors c'était J. Journal de bord. C'est B. Je sais plus. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Annule. B, qu'est-ce que t'as fait? B. Démantelé. Non, c'est pas ça. Alors... Ah. Vendre tous les vaisseaux, qu'est-ce que c'est? Attends, pardon. C'est même pas un emprunt. Le Z, oh non. Le matriarche, le Z. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un mec d'extrême droite. Attends, on va juste changer mon nom. Mais c'est ça mon problème. Ah oui, mais c'est ça, mais oui. Mon problème, c'est que je suis trop con. Ah, nous avons un mon nouveau, problème. Un nouveau PDG de la Galactic Dynamics. Ah, une nouvelle, pardon, PDG. PDGR. Mais attention à pas. Pas méchant. Je m'attendais à tout sauf à ça.
Magnifique. Je plus sois. Ouais. C'est ça mon problème. Trop con. Mais oui, je suis un abruti en fait. Flash en faux spécial. Le Zelda. À la bouée. Oui, je suis un abruti en fait. Trop con. Ça faisait longtemps. Ça te fait rire. Hein. Qu'est-ce qu'on. Mais pourquoi il n'y a pas le menu des bâtiments là? Ah voilà, d'accord. Non mais c'est chiant bon, là. Le... En fait, moi je me bats avec l'optimisation et Terry se bat avec l'interface. Je me bats avec les menus là actuellement là. Ouvrir un emplacement de construction. Construction de Holothéâtre 1. Ah d'accord, c'est déjà en construction. Ok, pardon. Excusez-moi. Et moi, je suis navré là. Je me bats avec les cafés pour rester. T'es dans un rollback ou quoi là? Ouais. Ça a pas pris en fait tout à l'heure. Arrête. C'est moi qui ai fumé du mauvais chips. Non, mais des petits rollbacks des fois, je pense. Upgraded. Tu rollback, comme ça. Moins 598. À défaut d'avoir des razorback. Putain, j'ai bien fait de venir ce soir. Hein. Si je puis me permettre, cette boutade. Putain, c'est sûr, entre gouvernements. C'est ça. Il y a des petits razorback sur la game. Vous reprendrez un petit four. Il fallait que je reprenne mon système aussi là-bas. Oui. Bah c'est là où tu t'es arrêté là, justement. Avec les pirates. Enfin pas les pirates, mais la faction. Ouais, mes flottes. Ah oui, mais c'est vrai. Je devais les emmener et après on s'était rendu compte que finalement il fallait attendre un temps donné aussi avant que je puisse leur déclarer la guerre. Kalpan, mais si, déclarer la guerre. Trêve de libération jusqu'au 2392-11-15. Merde. Je vais attendre 6 mois là ? 7 mois, ouais. Non, 5 mois ? Putain, ouais, c'est vite hein, avec la vitesse de lecture là. T'inquiète. Fuc, hein ? Dans 6 mois, hier. Toutes mes forces de frappe qui sont là. Et t'as amené des armées ? J'ai amené des armées. Non, pas encore. Attends. Oh putain. Bah, ouais, c'est bon, elles arrivent dans 5 mois. Les terres ? Oui. Tu la déclares, ta putain de guerre ? Ah, ça y est, je peux ? Ah oui, je peux. C'est le mec passif-agressif. Le caravanier, c'est excellent. Et caravanier. Ah, toi aussi, t'as trouvé ? Ouais. Et si vous voulez, vous pouvez aller jouer, je vous l'avais déjà dit, mais au casino de l'espace. Ah ! Ils m'ont volé des ressources, ces enculés ! Bah, c'est les gitans, mec. Cela ne nous intéresse pas, partez. Insulte diplomatique, je me fais insulter, là, joyeusement. Nous avions bien pensé à faire de votre préchante général Kétril un membre de la consciousness valeurté. Malheureusement, nous devons vous informer qu'il faut pour cela disposer d'au moins un cerveau, même rudimentaire. Qu'il faut leur répondre ? Conséquence des propos aussi injustifiés. C'est ça qu'il faut leur répondre. Ouais, je pense, ouais. Ah, ouais, ouais. Ça va être... Pardon. La conscience collective. C'était bien coulant, là, en plus. C'était bien coulant, comme un œuf. Hein, C'est le coca. C'était un repoché. Ah ouais, ça y est, mes armées arrivent. Effectivement, je crois que... Ah oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et puis quand ça va péter, hein, moi je vous le dis. Non mais qu'est-ce qu'on se passe? Mais attends, mec, faut pas le prendre sur ce ton, en fait. Mais non, mais c'est pas des menaces, hein. Non mais vas-y. Vous allez juste se courir. La ferme, aidez-vous. Parle pas là. J'arrive pas à réfléchir. Bah, du coup je pisse. Arrivée de réfugiés. T'aimes bien le bruit de l'eau qui coule? Non, ça te détend chez toi. Alors eux, ils sont. C'est la font quoi? C'est la musique que t'écoutes, ça, non? C'est un truc bien raciste. C'est la musique de chez vous, ça. Ça te rappelle le ton, hein? Horrible. Tu fais le raciste avec des espèces aliens tellement pareil. Ma gueule ou quoi? Comment ça, je me gueule? Eh oh, sur notre ton, hein? Pardon. C'est pas parce que... Mais il commence à me saouler, lui. Et oh, oh, oh. Sur un auton, hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ma chère custodie, Oh, tiens, l'indépendance. Ah, ça envoie des notifs, ça? Ah bah oui. Oui. Ah merde. Moi aussi, je vais t'insulter grave, toi. Non, mais c'est ok, on n'est pas dans la même fédération, hein. Je te dois rien, hein. Ok, mais écoute, je viens l'indépendance. Le mec, il m'insulte. Il est insignifiant par rapport à ma flotte, quoi. Il m'insulte. Mais je vais t'écraser, mec. Mais tu fais quoi, là? T'es qui, mec? Oh là t'es là. Quoi dans la galaxie? La conclave Mandasura qui se réveille. T'es un oiseau, je suis un arbre, mec. Insulté. J'ai même pas le droit de les insulter. C'est quoi cette blague? Mais si, tes relations tendues. Bah lui, il se gêne pas, hein. Pourquoi moi, je peux même pas répondre, en fait. C'est pas assez tendu, je suis pas assez tendu, là. Puissance qui, je trouve, s'arme un peu trop et qui me passe la paix galactique dans moi, mon but, faire passer des lois galactiques. Il sort d'une guerre, il dit ça, le mec. Ah, il sort d'une guerre. Et c'était une guerre de libération. Ah bah oui, bah tout de suite, hein, quand on met la libération. Hein.
Excellent. Oh là, mais oui, ça n'a rien à voir. Oui. T'as avancé, mais les scientifiques c'est bien, mais les recherches t'as avancé. C'est mieux. Les scientifiques c'est bien, mais les recherches c'est mieux. Ouais, ils avancent, ouais. Ils trouvent des aliens. L'ordre restauré sur Livia. Merci qui ? Merci. Merci Nemrod pour les futurs salons. Ouais, c'est ça, ouais. Tu l'as toujours pas déclaré ta guerre. Bah non, j'attends que les armées arrivent à point nommé, quoi. Mais bon, c'est très lent. Le temps de faire pause, tout ça, ça n'avance pas. Ah, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça y est. La planète Grand Fay a été terraformée pour être bien une planète glaciaire pour la congélation. Tout à fait. Et donc, tous les petits salariés de au chômage sortent de... des usines volontaires, disons, des portes volontaires. Je déclare la guerre, hein, c'est parti. Allez, oula, attention, envoyé spécial. Déclaration de guerre. Donc... Faut mettre sur play le temps que les frontières s'ouvrent pour toi. Oui, là, pour l'instant, j'ai pas... pas sauter, là maintenant c'est bon. C'était un peu chiant, tu sais. Bon bah, ça fera le café jusqu'à ce soir, et puis je relancerai le jeu pour voir que ce sera terminé. Voilà, bonjour, c'est fini. Oh, ça fuit là-bas, ça fuit, venez, bonjour, revenez, bah non, bavez-vous, bah reviens. Quoi t'as fouillé ? La coupe passe vite là. Quoi t'y fouilles ? Ta flotte de transport, faut l'envoyer sur la planète. Hein. Ouais, j'y vais là, elle est où là ? Non. Putain, elle est où là ? Elle est là-bas, viens ici. Il a encore tout, il a encore... Mais non, mais ça prend 20 ans là, qu'est-ce qu'on fait là ? Il va pas... Ah voilà. Oh oui, ça va être... Allez, mais c'est easy, c'est du easy. Oh putain ! Les seins, quoi. C'est un essaim. Oh, mais c'est cool, les tassargoïdes, mais c'est pas le moment, là. Voilà, on a trouvé des aliens, c'est cool, mettez-les dans la forêt. Allez, je suis en pleine guerre. C'est marrant, ils attendent toujours qu'ils soient en guerre. Ah, pour m'envoyer des trucs inutiles dont on s'en fout complètement. Putain, et regarde combien elle produit la planète en énergie. Elle produit l'énergie ? Ouais. Comment tu le sais ? Crédits, pardon. Oui, je le vois, je clique sur la planète et en bas, planète, production de la planète. Oh merde, ils ont d'autres vaisseaux, les cons. Ça sort où ça ? Ah, ça y est. J'espère juste qu'il va pas me niquer mon armée. Non. Elle arrive. Mais ça te promène, là, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, ça y est, elle saute. C'est bon. Hop. Donc, armée, où es-tu ? Voilà. Où es-tu ? Poser les armées. D'accord. Là. Faut que j'aille prendre le reste, hein. Gros men. Quoique j'aurais peut-être pas dû envoyer tout le monde, comme d'hab. Ouais, de toute façon, si tes armées sont sur la planète, elles se protégeraient. Et de toute façon, oui, là, quand tu vas conquérir la planète, comme ils ont pas d'autres planètes, ça va signer la fin de la guerre directement. T'auras même pas besoin de prendre les... Ok. Ça va prendre automatiquement... C'est de l'office, quoi. Ouais, bah oui, parce que je lui prends sa seule planète. Et attends, t'as bien fait une revendication. Oui, surtout. Oui, d'accord, okay. Sur les systèmes, en tout cas. On est reparti pour 10 ans. Oh putain, j'ai même pas vu l'état de l'invasion là, c'est comment ? Voilà. Ah, disparition d'un empire inconnu. Ben voilà, on les connaissait même pas. Allez, salut. Alors, la guerre est terminée, nous admettons la défaite, tel est le fruit de votre jugement. Heureux. Alors, destruction de la conclave, m'en t'assure. Imagine, ce serait tellement drôle. Non, c'est destruction de la société industrielle extorsion. C'est celle qu'on a accueillie chez nous. Non, on n'a pas accueillie, mais ils sont venus s'adresser à moi, je sais pas quoi, je les ai envoyés chier. Ils voulaient me vendre des trucs, je crois. Ou faire du commerce, mais tu les as écrasés, en fait, c'est ça ? Ouais. Après un engagement avec la hydraulisme, la caravane extorsion autrefois animée est désormais réduite à état de case interstellaire. Peut-être cette fin ne leur aurait-elle pas déplu. Fâcheux. C'est quoi, tu les as écrasés, Razor ? Non mais ça va, c'est bon, le mec s'invite chez toi, il veut sa femme, il prend tout dans le frigo, c'est bon. Dis même pas bonjour, ni au revoir. Dis même pas bonjour, il demande même pas s'il te plaît, tu vois. À la limite, bon. Voilà, qu'un peu de politesse, ça peut encore passer, quoi. Moi, je veux bien partager. Après, s'il baisse ta femme, c'est que ta femme, elle est mal baisée de base. Ok, la bonne ambiance sur le vocal. Après, c'est vrai qu'il a pas tort. Si je viens revenir le mardi, là. Si je puis me permettre. Bon, bah du coup, donc moi ma guerre est terminée. Ouais, c'est cool hein. Effectivement, tu as plus 598 de crédit d'énergie, on va dire qu'on est bien, hein. Vraiment bien. Ouais, des mondes Razor, deux populations, deux populations. Oh la ferme, ça va. M'étonne que tes femmes, elles aient. Oh, ça me chie dans le goût. Vous avez besoin de voir des étrangers un peu là, un petit peu de vie là. Des rêviers, ben bien bâtis. Hein, ils se sentent un petit peu seuls dans leur lit là. On a pas les droits. Merde! Ah merde, désolé. Merde. Le con. J'ai voulu crier par-dessus, c'est pas. Attends, j'appelle Georges. Ah bah oui, s'il te plaît, demande-lui. Ouais, c'est Nemrod là, ouais. Ça va?
C'est Nemrod. Ouais, c'est Nemrod. Non, ça va pas trop. Ouais, non, écoute, j'ai pas trop le temps. Ouais, pour les. Ouais, j'ai un... les droits là des musiques, on en est où là? Merde. Ouais. Mais non. Cet acteur. Pas vrai. Plus là. Ok, bah, je vais leur annoncer. Ouais. Ça marche. Embrasse Leia pour ma part. Ouais. Ah merde. Ouais, elle est morte. Du coup, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai pas aimé tout de suite. Comme. Oh putain. Ouais, ouais, elle est morte. Elle est morte, ouais. La boulette. Oh, la boulette, c'est ça. Oh merci. Ah, c'est la guerre ? Oh putain, merde, je trouvais ouais, des... C'est un... Non, c'est un salarié docile qui essaie de se... Qui essaie de s'évader. Ah, attends, il y en a... Ouais. Il avait son con. C'était sa femme et ses enfants qui suivaient derrière. C'est un gros signe préparatif de guerre. Hein, oula, plusieurs vampires se préparent à nous déclarer la guerre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là ? Attends, pause. Oula. La Covenante de Kaloktora se prépare à nous déclarer la guerre, mais à cause du manque de renseignements, nous ne savons pas lorsqu'elle le fera. Ah, la un ou deux ans. Covenante Kaloktora. Ils sont comment par rapport à toi ? Kaloktora, pardon. En termes de temps. Faites voir un coup votre truc de bordel. Équivalent, supérieur, équivalent. Donc équivalent en puissance, supérieur en recherche, équivalent en économie. Ah ouais, mais mec. Je vais bien rouler dessus. Kalok. Ah, mais vas-y. Okay, d'accord, Razor va devoir m'attaquer, en fait, je vais être obligé là. Après, je sais pas si ça va passer au vote, mais ça me semble. Est-ce que il fait partie de la Fédé ou pas ? Oui. Pour ta liste. Ouais, bah... Mais par contre, il y a eu un truc. Putain, j'ai voté contre et c'est quand même passé. Ah, c'est la majorité, ouais. Bah, on est que deux. On était que non, deux si votants. Non, mais si à lui. Non, on était que deux votants sur le vote de la loi. Ah, ben bah, alors, parce que dans les membres, dans la liste de membres, t'en as combien ? Bah, il y a Teclac et ses vassaux. Mais tout à l'heure, il y a eu un vote sur l'acceptation des dépendances au sein de la fédération. Mmh. Ouais. La Teclac, oui. Moi, j'ai voté non. Et on était deux seuls votants. C'est quand même passé. Je dois avoir un poids diplomate sur Eurodi. Baiser, quoi. Dans tous les cas, t'as mis, pour le poids du vote, t'as mis égalité. Ah, que je vois ça. Poids des votes, poids diplomate. Ah, bah, c'est ça. Ah. Ouais, on en apprend tous les jours sur les fédérations. Voilà, bah, désolé, Terre. Hein. Le problème, c'est que moi si Ether il se fait attaquer, j'irai le défendre. Ah, bah oui, bah, faites. Hein. Et après, le truc, bien ce sûr. Serait qu'on puisse éviter une guerre. Ah, bah, après, oui, bien sûr. Que là, on est quand même parti pour. Un truc qui risque de durer. Ouais. Une guerre qui va durer longtemps, là. En plus, il est en machin avec toi, Nemrod. Hein. Il a un casus belli à ton encontre et tu le vises par un casus belli. Oui, mais ça, c'est automatique. C'est pas forcément. Moi, j'ai des relations très amicales avec le casus belli. Ça se fait automatiquement en fonction des idéologies. Et tu vas devoir trouver une solution parce qu'après. Ou alors, Razor, tu votes contre la guerre quand ça arrivera. Là. Ah, mais sinon, je rejoins la Fédé. Hein. Allez, comment quoi, c'est où rejoindre la nôtre, sinon. Hein. Après, vas-y, rejoins de Razor, connard. Il me déclare la guerre et il me fait rejoindre par la force. Si je rejoins la tienne, par contre, ça va être deux fédés qui vont se mettre sur la gueule. Hein. Et ils le font pas parce que la Teclac votera non parce qu'on est bien puissant. D'accord, ils sont pas fous quoi. Non, je dis ça, je déconne en fait. On est à peu près équivalent en termes de flotte. Non, mais rejoins-les. Hein. De toute façon, tout va changer. Parler de ces gestions sponsoriques, la galaxie va changer. Je pense que vous le savez mieux que moi. C'est vraiment le truc qui pourrait casser le truc dans le délire. Dans le... Excusez-moi, monsieur, mais... Qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? Mais vraiment, vous êtes à l'autre bout de la galaxie. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis peut-être à l'aube d'une guerre qui ouvrirait une guerre généralisée dans la galaxie. Comment ça ? Mais oui, je suis une petite civilisation. Vous êtes la Suisse, vous êtes au milieu de rien, là. Vous exactement. Vous n'avez aucune fédération. Donc je suis à la fois... C'est une guerre contre vous, alors. Pas du tout. Je pense que ça entraînerait... La galaxie, là. Ça va être juste vous, là. Ça va entraîner une guerre générale. Oh, mais c'est encore la Kaloktora qui fait des siennes, là. C'est ça, les c'est paysans, ça. Là. Oui. Ah, je pourrais très bien leur mettre sur la gueule, mais... Voilà. Les ça enjeux... Y est, c'est pas moi qui prends toutes les décisions hein, dans la fédération. Hein, oui, mais vous pourriez au moins essayer de faire bouger les choses de votre côté. D'essayer alors de... qu'est-ce que je peux faire alors ? Mais qu'est-ce que j'y gagne moi ? Qu'est-ce que vous c'est y gagnez ? La stabilité. Métissé. Collectif métissé. Avec deux ou trois albums. Non, la vraie question, elle est là. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans cette histoire ? À un moment donné, Zouglou Zouglou Kata, voilà, on connaît. Horrible. On avait besoin de changement, quoi. Qu'est-ce que vous y gagnez ? La paix galactique.
voilà ce que vous y gagnez. Il faut dire que... En attendant après, des jours oui, sombres. Ah oui, merde, c'est vrai, putain, je suis xénophile. Alors... Voilà, tu dois m'accepter, connard. Eh bah très bien, et bah mange tes morts. Et ça c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que ça marche la France, tu vois. C'est ça. Eh, c'est les droits de l'homme, connard. T'es xénophile, t'es obligé de m'accepter, connard. Non, xénophile, c'est juste que ça améliore l'opinion, hein. On accepte les réfugiés, on essaie déjà on fait pas d'esclavage, on fait pas de déportation, et puis ne jouez pas sur les mots. On aime les autres empires, hein. Mais aimez-moi, acceptez-moi. Bah je vous aime, bien sûr, je vous aime. Je vous aime. Mais je vous aime de loin. Ah bah non. Bah moi je vous aime de près, faut que je partage votre culture. Moi je mens. Tiens, mais ça. Je vous impose la mienne dans votre dos. Ah putain. Je sais pas, vous êtes là, vous venez, vous me dites protégez-moi, mais bon. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir? Mes vaisseaux? Qu'est-ce que vous avez? Bon, les vaisseaux, ça va, hein, non. Voilà, ma petite capacité navale, mes petites pommes, mes petites branches, je sais pas. Oh, nous on n'en peut plus des pommes, on en a trop des pommes en stock. Voilà. D'ailleurs, je vais en revendre un peu là. Est-ce que vous avez une rupture de quelque chose? D'anévrisme. Rupture de frein. Non, je sais pas, en production de minéraux et de biens de consommation. À plus 80 et plus 50 là, ouais. Je peux me permettre, là ça ressemble pas à une fédération, ça ressemble à une vassalisation là. Oui, c'est vrai ça. La friture sur la ligne, je crois. Oui, non, mais je suis avec mon avocat. Oui, d'accord. Avec votre avocat, la custodie de la galaxie, oui, d'accord. Voilà. Si, dans un cabinet. Si j'avais choisi de le rejoindre lui dans sa fédération, voilà, la guerre serait inévitable. Ça partira en patate, mais moi, encore une fois, j'y suis pour rien dans toute cette affaire là. C'est les autres là. C'est pour ça que je choisis. La merde là. Je choisis de vous proposer. Moi, de vous évidemment, faisant partie de cette fédération, je pourrais potentiellement parler bien de vous. Ah oui, non, mais j'ai rien. Mais sinon, tout travail mérite salaire. Hein. Ah, complètement, mais ça, je comprends tout à fait. Il faut que je fasse ma part dans votre fédération. 50 000 biens de consommation et on en parle. Pardon. Allô. Ah, il y a pas sous un tunnel galactique là. Après, vous n'êtes pas obligé de me payer le premier 10 mois. Hein, ça pleure moi. Ah oui, là, ça va être le centième de tous les mois à venir là. Ouais. Faire un paiement étalé sur... Bon après, les prêts sur 200 ans, nous, on a donné. On s'est sucer la moelle par la Galactic Dynamics. Excusez-moi. Oui. Vous êtes sur le canal, vous? D'accord. Mais oui, mes espions... Enfin, je veux dire, mes... mais comment dire, mes directeurs du marketing agressif ont entendu parler de votre entreprise et nous avons mis à travailler nos meilleures analyses en géopolitique et nous sommes arrivés à une troisième possibilité pour éviter cette guerre. Mmh. Ah. Si vous êtes prêts à l'entendre. Un bordel généralisé qui ferait que ce serait devenu un petit la solution tout effacé serait donc l'hydrolysme, créer la fédération et créer sa propre fédération. Et voilà. Et c'est tout? Ouais, tu l'as fait aider, et puis après, nous, on va les éclater, la téclaque. Ah oui, d'accord. Et on vivra sous le joug des esclavagistes, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'esclavagistes dans la société. Non, mais vous croyez quoi, hein? Il n'y a pas que vous qui avez des espions dans la galaxie, mon cher custodien. Non, alors, je te dis, vous pouvez appeler président. Président. Gardien. Grand seigneur. Non, président. Je veux dire, il n'y a pas de civilisation esclavagiste dans la galaxie, là. Je sais pas, vous fumez, monsieur. Donc peut-être. Alors oui, peut-être les Dessanous. Je crois que les Dessanous ont beaucoup d'esclaves. Oui, c'est ça. Oui, ok. Non, on vient pas pour le pétrole, hein, on vient pour libérer la population, c'est ça. On la connaît, celle-là. Vous savez, au 21e siècle, il y en a eu pas mal des histoires comme ça. Hein. Ça remonte à tellement loin. Oui, c'est vrai. C'est des agissements assez primitifs, hein, si vous voulez mon avis. Non, on est bien d'accord qu'un empire aussi rayonnant que le vôtre, ça baisserait pas ce genre de méfaits. Si. Et tout à fait. Et on assume, hein, et c'est dans les conditions d'utilisation quand vous cliquez sur la Oui, il est écrit en petit, là, page 47, là, oui, d'accord. Mmh. Ouais. Pour les Dessanous, c'est pas le pétrole, c'est les nanis, complètement différent. Mais vous me parlez de trucs qui me concernent pas, ils sont à l'autre bout de la galaxie, là, les Dessanous, moi je m'en fous, ils font leur truc de leur côté, là. De torrents de merde qu'on a reçus, nous, l'hydrolysme. Ah ouais, mais ils font des deepfakes sur des sites porno avec vos têtes. Non, bon. Si c'est que ça. Nous on respecte hein, toutes les cultures différentes, vous voyez, il n'y a pas qu'un pour seul... Pour sortir les trucs les plus hardcore que tu trouvais des qu'on peut leur déclarer la guerre. C'est ça. Mais je tiens à vous rappeler que je suis
xénophile, hein. J'aime toutes les espèces. C'est même. Bah alors accepte les terres dans même si elles font des deepfakes. Fédération. Mais encore une fois, tout travail mérite salaire. Ma proposition, c'est. On y est pas encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Je vous rejoins. Et je vous offre mon sourire. Voilà. D'accord. D'accord. On verra au moment du vote alors. C'est plus trop bien. T'avais dit d'accord. C'est bon. C'est signé. Voilà. Convaincu. C'est ça qui me fait que je voulais entendre. C'est comme dans Deadpool là, quand il font. Ah oui, ça. En fait, il n'y avait que j'ai ça juste, quoi. J'ai juste postulé. Ok, t'es embauché. En interférence avec les primitifs. Et là, Razor, il vote oui. Défenseurs sur clé n'ont pas été créés. La planète est bouleversée par ces dommages causés et de nombreux biens privés et aux pertes civiles dues à des attaques terroristes coordonnées. Mais c'est en train de descendre. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? C'est fâcheux. Bah, c'est la planète que t'as. Ouais, que j'ai récupéré. Que j'ai récupéré. Et je pense qu'ils étaient pas contents. C'est la faction des. Bah oui, ça doit être les factions restantes, finalement, de. Enfin, voilà, ça doit être les restes. Des dissidents, quoi. Ils veulent encore péter les couilles et se rediviser, quoi. C'est ça. C'est ça. Du coup, est-ce que je peux pas mettre mon armée en orbite pour aider justement aussi à les contrôler un peu, à les calmer? Non, par contre, ce que tu peux faire, c'est dans ta base stellaire, t'as une construction qui est zone sécurisée. Ah, et excellent. Ça met plus 5 en stabilité sur les planètes du site. Cool. Soit c'est genre c'est zone de haute sécurité. Zone de haute sécurité. Zone de haute sécurité, ouais. Une grande partie de la base stellaire a été réservée comme zone de haute sécurité qui officiellement n'existe pas. D'accord. Le système entier est étroitement surveillé de là, tandis que les analystes des renseignements manipulent les médias locaux et événements sociaux au mieux de leur capacité. Ok. Razor a écrasé notre civilisation. Ouais, il me fait peur, là. Ok, d'accord, ça extermine des populations maintenant. Ok. Bah, c'est eux qui essaient de nous exterminer. Moment, oui, oui, c'était pareil pour les mecs de l'extraction. On en parle, Jean-Michel Succursale ou pas? On en parle Jean-Michel Succursale. Excuse-moi de développer le commerce dans la galaxie et pas d'exterminer les gens. Après, c'est vrai que. Voilà, Jean-Michel Succursale, ça sonne tellement bien. Selon ta religion de faux furieux. C'est vrai que toi, voilà. Et nous, chez les gens civilisés, tu vois. On écoute depuis environ 2 siècles, putain, on est obligé de faire un turnover avec nos essais. Ils en peuvent plus, ils font des burn-out. Ah non, mais c'est un ramassis de conneries interstellaires, le truc. ramassis de conneries interstellaires. On prend pas trop. On dirait quelqu'un qui sur parle. La transcendance, vie après la mort, je comprends pas. On dirait un mec aigri, tu sais, dans le futur, qui a la marre de recevoir des pubs dans sa boîte aux lettres du futur. C'est ça. Je reçois un ramassis de conneries interstellaires dans ma boîte là. Et on a marre de voir les témoins de Jéhovah. Prospectus de la galactique dynamique, j'en ai des kilos là. Oh, on est passé en démat, ce cocher la case. Des mails plein les serveurs. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Et sortez de ce allô. Canal. Oh, qui c'est qui se prépare à la guerre encore là, putain? Akaloktora encore? Ah, ça commence à partir en couille dans cette galaxie. Putain, va se calmer. Je vais devoir user oula. De ma custodie. Oula.